Le plan de Dieu est que tes projets réussissent. Il dit, je connais les projets. Tu t'inquiètes pourquoi? Toi, tu fais tes projets. Dieu aussi a ses projets sur toi. Et il faut laisser toujours l'agenda de Dieu dominer sur ton agenda. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Pourquoi tu t'inquiètes à réaliser tes projets seul? Tu te coupes en mille morceaux. Les choses que toi, tu fais là, pour d'autres personnes, ce n'est pas un rêve. Toi, tu dis, c'est un rêve. Oh, mon rêve est d'avoir une maison. Ce n'est pas un rêve pour d'autres personnes. Et quand vous passez des moments durs, dis à ton partenaire, Dieu a un bon projet pour nous. Même si tu ne les vois pas, il faut dire que Dieu a un projet pour moi. Je sens une année d'upgrade. Je sens un mois d'upgrade qui va venir dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, je connais les projets. Oui, forme tes projets. Mais laisse Dieu signer. Il dit, je connais les projets, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit sur tes projets? Je vais voyager. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais acheter. Qu'est-ce que Dieu a dit? Raison pour laquelle certains de nos projets tardent. Parce que Dieu sait qu'il a encore besoin de travailler sur certains détails. Attends, il dit, je connais les projets. Toi, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as un cœur qui bat comme ça? Pourquoi tu te déranges comme ça? Il dit, non, attends.